Salut tout le monde, c'est Nightmare et aujourd'hui je vous laisse un petit message audio en début de vidéo parce que en ayant marre que Outlast traîne, je me suis dit on va tout caler d'un coup. Donc j'ai condensé de l'épisode 7 jusqu'à la fin. Et en gros ça fait 4 épisodes si je dis pas de conneries. Et en gros je vous ai condensé tout ça pour vous finir Outlast. Et aussi pour vous faire une petite vidéo spéciale Noël, la vidéo dure 40, en gros 50 minutes quoi. Parce qu'à la base je devais vous faire une vidéo spéciale Noël sur GTA V, mais la vidéo, en fait j'avais pas du tout ce que je voulais faire, et la vidéo a totalement foiré, et n'ayant pas la copie de cette vidéo, bah, je ne peux pas vous la mettre avant Noël. Donc je vous ai mis du Outlast, mais ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Entre guillemets, je vais vous faire pas un petit cadeau, mais dès le 26, plutôt le 27, dès le 27, je vais déjà commencer à vous faire des vidéos console, donc ça va vite arriver. Parce que il y aura aussi d'autres vidéos, la vidéo où je vous présenterai mon setup. J'ai deux setups en fait et je vous montrerai le premier setup dès que possible. Bon, je vais pas parler plus, je vais vous laisser regarder. La fin de mon let's play sur Outlast. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël et je vous reverrai avant la nouvelle année. Ciao, ciao tout le monde! Salut tout le monde, c'est Nightmare V2. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite d'Outlast et avec un nouveau micro. Si vous avez pas remarqué ou si la qualité audio est meilleure, c'est un micro sur pied au cas où. La dernière fois, on avait couru comme des morts jusqu'ici. On va continuer tout simplement. Vous me direz dans les commentaires si j'ai bien agencé l'audio et la vidéo. J'ai tout essayé, hein. On va dire que ce micro-là il est assez capricieux au niveau de Windows. On va pas s'attarder là-dessus, qu'est-ce que je dois faire? La chute à l'un nécessite 3 fusibles. Fuck. Oui, par contre, on n'a plus que 3 piles et ça, c'est. Oh, bah, c'est là où on était. Ça, c'est légèrement de chiant, par contre. C'est quoi ça? Ah, c'est glauque. Bon, une pile. Oh, maintenant, ça fusille. Pourquoi on pouvait. Oh putain, ta race! Ah oh putain. Bon. Putain, je l'ai pas vu cet enculé, il a pas fait de bruit. Oh putain, je sais plus où il faut aller. Putain. Oh non, putain, il n'y a pas qu'une entrée en fait. Holy shit. Mec, tu peux éviter de respirer comme... Ma grosse matique! C'est un foiré toi-même, fils de chien! God damn it! Oh putain! Le fusible, oui! C'est une blague! Oh putain de Sarah, ils sont deux! Ta mère! Oh sa mère la putain ils ont deux. Je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. Oh putain, troisième fusible! C'est bon ça! Oh! Mais va te faire enculer! Son cul pour... simple pile. Allez, dépêche maintenant, grouille-toi! Ta mère... Non! Non! Ah! Pourquoi les fusibles ils sont partis? Ah! J'ai tout perdu! J'ai tout du père! Il va me suivre jusqu'ici. Putain. Ils sont tombés donc techniquement ils sont en bas. Putain le mec. Il a la science infuse en lui. En
de dingue. Ça va niveau pull, on est remonté ce putain. Allez là, il doit y avoir un truc à linge par ici. C'est peut-être pas le bon endroit, je crois. Il y a le mec, on sait pas ce qu'il fout là. Oh là 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 là, il a été où ce putain de fusible à la con. Ça, cette putain de clé à la con. Interrogateur. C'est pas le fusible là que tu cherches. Oh, c'est bon ça. Deux piles. Oh ça, alors là. Non, on se met bien là. Des chiottes. Non, je sais que c'est sanitaire, mais ils peuvent pas tomber là. Oh, des une pile. Oh, mais on est riche, hein, là que boss. Ta mère. Il m'a pas vu, il m'a pas suivi. Ma casse, putain, elle a bougé. Ta mère! C'est l'homme de Wernick, ne le laissez pas partir. Ah, tu peux pas me suivre là, hein. Ah, t'es deg! Ah, bouffon, ouais. Ah, là, là, je vais pouvoir avoir, rejoindre notre père débile. Pouah. Un jour, il va finir par se péter la gueule. Nouvel objectif, suivez les traces de sang. Mais vous foutez de ma gueule, c'est ce que je fais depuis le début du jeu. Non, 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 il y aurait pas une pile, s'il te plaît. Oh oui. Oh, le full pile. Bah, les steaks. Genre, t'en as la lumière comme ça. Et hop, full pile, 10 sur 10. Là, franchement, là, on peut aller jusqu'à la fin du jeu sans pile, là. Bah, les steaks. Putain, mais Sandro, il s'est fait cramer ou quoi? Ouais, mais celui-là, un peu trop clair. Ok, c'est pas bon ça. C'est la salle du fusible. Cours. Voilà, j'aime bien ici, c'est cool ici. Ça va toi? Je suis au-dessus, fils de chien. Là par contre, si je me plante, je suis baisé, mais jusqu'à l'os. Je me suis pas planté, tout est bien. Plus full pile, mais moi j'aurais fait le choix. Oh putain, j'aime pas ça. Tu dois rejoindre monsieur... Putain. Tu dois rejoindre monsieur Débilos là. Je croyais que c'est bon d'aller dans la direction du fantôme. C'est vrai, une pile à côté de ce machin. Je vais foncer parce que j'ai pas envie de me retrouver nez à nez avec un machin qui va me sauter à la gorge. C'est moi où depuis tout à l'heure je tourne en rond. Je vais dire fucking en rond, mais ça va juste en radio. Ah bah c'est là juste de valer. Ok, ta mère. What? Je pouvais rien faire juste. Je suis pas là. Le premier qui me dit mais t'es où? Que ce soit commentaire, quelqu'un qui me le dit en face ou autre, je le tue. C'est le coup de musique. Putain, je sais pas où il faut aller, puis ces mecs là c'est des one shot. Hein. Je pense pas qu'ils vont chercher à comprendre avec un gars comme moi. Oh. Allez, cassez-vous. Putain de sa race. Quoi. Oui, sauvegarde. Oui. Putain, des fois quand t'es poursuivi et qu'il y a le bouton sauvegarde en dessous, c'est la classe parce que ça veut dire c'est bon.
Ça sauvegarde, t'as plus de méchant au cul. Bon là par contre, c'est un peu casse-gueule hein. Tu m'excuseras mon con mais pas. Oh par contre là si eux ils viennent de là, là je suis baisé là. Là je peux rien faire par contre. Mais tu m'excuseras Père Martin mais c'est un peu casse-gueule par ici. Tu peux pas me donner rendez-vous dans un endroit un peu moins insalubre. Oh merde, non 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 non, fais pas le con. La caméra, fais pas le con. Putain. Oh non 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 non. Y'a un mec qui est passé en dessous quoi. Non mais il y avait un mec. Pour vous déplacer dans l'obscurité, vous avez besoin de votre caméscope. Bah tu m'étonnes gros con. Comment je vais aller chercher ça moi? Oh putain. Ah oh, ouais c'est super. Alors déjà, avec les mecs au cul et le caméscope c'est galère. Ah non, tu peux commencer à faire... à tuer dessus, mais qu'il y a rien là pour l'instant. Putain. Des piles. Stock de piles complet. C'est la première fois que je suis dans un jeu d'horreur, quoi. Oh ta mère, on voit rien. Oh non, putain. Je peux seulement rien faire. J'ai pas de tort, j'ai que dalle. Ouais. Mec par contre faut quand même pas abuser, il est pas tombé aussi bas le caméscope. Je sais pas si c'est un fort accord ou quelque chose mais il est pas tombé aussi bas. Fuck that shit. Oh, s'il y a un mec je vais hurler. Je hurle maintenant ou après? Voilà. Putain, casse-toi, fils de chien. Oh, si je te vois en vrai, je te prenais ta tête, je te l'éclatais contre ces putains de barreaux, quoi. Fuck. Ça va, il nous faut quand même de l'orage. Tu bouges pas, s'il te plaît. Tu bouges pas, hein. Tu me t'as filmé le cul. Bref. De toute façon, je me demande pourquoi je le lis, hein. Vous devez voir comme moi, donc Oh oui, il est là. Oh, viens là, espèce de con. Viens, comment je le chope? Trouver le moyen d'accéder au niveau 3. Faut que je refasse tout le chemin que j'ai fait à l'envers, c'est pas grave. Ça tombe bien, j'avais dit que j'ai chopé deux piles là-bas, par contre, il va falloir aller être super fin pour aller choper, par contre. Bon, par contre, ce qui est what the fuck, c'est vu la chute que j'ai fait, moi, un appareil comme ça, j'aurais eu dans les mains... Il était pété en 4 l'appareil, ben, je sais pas. Parce que moi bizarrement j'avais un... Pour pas faire de pub à Samsung, il est tombé une fois, plus de Samsung. Hein. Plus d'écran, plus rien. Voilà. L'incident est réparé, on peut essayer de remonter. Hop. Trouver le père Martin au service administratif. Ah putain, oh, 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 là. Putain.
J'aime pas, c'est des couloirs trop restreints, trop clos. Pourquoi mon jeu il se met à avoir des baisses de frein comme ça? On doit être pour du service administratif, là, il y a plein de. La lettre, tout le bordel. Oh, revoilà le gros pabot. Ta mère là putain, ta mère, ta mère, ta mère. Oh le spasme que j'ai eu. Encore une fille qui t'a retourné la tête. Elle me revient au début du jeu là. Bah. What? Mon jeu se tape des baisses de frames. Juste peut-être aller jusqu'au prochain point de sauvegarde et on va s'arrêter là. Non, c'est pas encore la fin. Hein. Moi qui pensais que c'était juste un jeu de 1 heure quoi, enfin même pas un jeu d'une demi-heure quoi. Oh non, il est bien, ça c'est cool ça. Non, je suis pas là. Oh putain, comment il est flippant. Oh la vache. Bon, je crois qu'on voit rien, donc je vais activer la vision nocturne. Hein. Foiré. Ben voilà, on se retrouve au cinéma. Voilà. Docteur Wernick, c'est pas celui qu'on a coupé en deux là, qui nous a coupé les deux. Hop. You have to find Wernicke. Only way. T'es un copain à moi, toi, tu te réfugies dans les casiers. En fait, il y a le film qui déroule depuis tout à l'heure, ça se trouve, il dit des choses importantes. T'as décidément, je suis fou de chez fou là. Putain, merde. Ah, bâtard! Ah, il m'a attendu, cet enculé. Et moi, j'ai dérangé pendant sa musique et lui m'a dérangé pendant ma vidéo, donc c'est bon. Oui, c'est ça, bâtard. C'est bien. Parfait. Comment il avait passé par là? Ouais, ça y a un kaki, le truc. C'est casse-gueule, par contre. Là, je me loupe. Pas du jeu. Et ça se trouve c'est pas ça la fin. T'as juste ça, bam, pas du jeu. J'espère qu'il y a une point de sauvegarde pour la clé parce que ça commence à faire long. Voilà, ramasser la clé d'action niveau 3. Nouvel objectif pour trouver le père Martin niveau 3. Bon les amis, j'espère que cette vidéo sur Outlast vous aura plu. Je sais pas si encore j'aurais fait 2 épisodes en un, mais j'espère que ça vous a plu, que le let's play vous plaît. Et je vous dis à la prochaine, toujours tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un j'aime, aller regarder mes anciennes vidéos si ça vous plaît. Ciao tout le monde.
Salut tout le monde, c'est NetMerV2, on se retrouve pour la suite d'Outlast. Alors la dernière fois, on avait été chercher la clé là-bas derrière la lumière, enfin quelque part, je sais plus. Par contre, ce truc est impossible à éteindre et c'est casse-couille. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'ai un problème de micro et j'entends ça, puis une voix en allemand qui... J'entends ça, puis une voix en allemand qui arrête pas de me parler, donc ça veut... En anglais, qui parle allemand, ça veut casse-couille. Bon, on va reprendre, je sais plus ce qu'il faut faire. Pourquoi la musique, c'est... C'est quoi ce bruit? Putain, on voit rien. Venir ici. Ou aussi ils peuvent venir ici. Oh putain, le cours. Je sais plus où je dois aller, merde. Oh stylé! C'est le début du jeu ça. Bien sûr on va pas y retourner. C'est dommage. Ouais, je vais monter là-dessus. Pourquoi ça va? Tu me laisses passer hein. C'est cool. Je retiens là, t'inquiète. Follow the blood, ouais. Oh putain. Ok, il me fait rien à porter la gueule le type. Oula. Il y a son chelou. Ok, je me casse. Tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux. Ça va aller, t'inquiète. Allez. Je check. Putain, c'est pas ouvert. Et merde. C'est par contre. Attends, il faut mettre une pile, je sais pas. Tu fais ouvrir la fenêtre, Poppy, il pleut dehors. Putain, comme pourquoi putain. Par hasard, tout le monde est en train de crier, puis il pleut dehors. Enfin, il y a de l'orage. Je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est pas réussi. Ouais, tu les entends crier, ça peut faire chier quoi, ils ont pris le script, ils ont pris le même personne quoi. Si on a qu'un sur deux, je sais pas où sont passés les autres. C'est peut-être mort. C'est peut-être mort ou je sais pas. Et là, d'être un peu trop loin le prochain toit, non? Ah, peut-être par là. Ah oui. Oh putain. C'était pas évident. Pas trop. Mais putain, qu'il est grand cet asile de la con. Maintenant au début du jeu on croirait pas mais merde. God hate sickness. Putain c'est là où j'étais quoi, j'ai fait un gros détour comme ça. God hate. Oh putain, c'est quoi de ce... Je suis arrivé où là? C'est quoi de cette merde? Nous allons bientôt rejoindre un World Rider. Oh oui, la clé de l'ascenseur. C'est la même chose que ceci est votre avant-dernière tâche. Justement. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch. Vous allez regarder enregistrer la mort et la résurrection. Ensuite, ensemble, nous serons libres. And together, we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. We will all of us be free. We will all of us be free. Ah, c'est chelou. Now, my son.
maintenant en plus. Ah mais putain, ils sont tarés. Ah là, un homme vif, vif. C'est dégueulasse quoi. L'ascenseur vous mènera à la sortie principale. On va filmer là, c'est mon job. Eh ouais, t'as qu'à pas me compter la série, on me prend. Je vais dire attendez que je fasse pas de conneries, que je passe pas le mauvais chemin, mais. Je sais que ça. Putain, allez, l'ascenseur elle est juste là quoi. Pas chier. C'est vrai que c'est la fin du jeu, ça y est, c'est la sortie. Et tout le monde est content quoi. Oh, bah, c'était bien là en fait. Mais tout va cramer, ça. Tout va finir par cramer, l'église. Oh ta mère! Je cours par là, hein. Regarde! C'est bien bon! Grosse pas bien! Oh, on va sortir dans l'autre sens, c'est pas grave! L'enculé! C'est pas grave, on court, putain de sa race! Ah, je sais pas où je vais! Putain, non, c'est pas la fin du jeu en fait! Je m'attendais à la fin du jeu. C'est pas par là. Ah oh putain, j'ai déjà lui m'a déjà fait le coup. Tu l'es dû. Ça c'est moche mon gars. T'es moche mon pote. Laisse-moi sortir putain, enfoiré, t'es mort. Ouh le flip. J'ai cru qu'il allait me choper. Oh oui putain, ça y est. Je me tire les amis, je me tire. C'est fini. Enfin, j'espère. J'ai redescendu au premier ça. Voilà, ça y est, la sortie. Oh merde. Oh merde. Tu vas où toi? Eh oh. Il descend un peu trop bas mon goût. Le vrai objectif, trouver une autre sortie. Putain. Mec, t'as la clé. Tu remets la clé, t'appuies sur le bouton en haut et tu remontes. T'as pas la peine de jouer là-bas ça. L'enculé. Putain. Bon bah. What the fuck? Je suis où? C'est un glacier, c'est quoi ça? La pierre aussi lumineuse, what the fuck, c'est quoi ça? Je suis où? Ah, on dirait le symbole de charme. La charmed, je sais pas comment on dit ça. Mais c'est Rallyway, je crois. Oh non, putain. Oh non, c'est la vidéo que j'ai vue de... Au tout début du jeu, là, rappelez-vous quand il y avait un truc qui a jeté les militaires, là. Ah, putain. C'est quoi ce délire? Oh, what? Donc, il est bien 4h de l'après-midi ou du matin. Enfin, en tout cas, le jour, il se lève, quoi. Le jour, il se lève pas 4h du matin, parce que... T'as carrément des véhicules militaires et tout, ils sont venus de où? C'est les mêmes camions militaires qu'au début du jeu au passage. J-666. Putain les clichés. Ah, Morphogenique Engine. Ah, c'est quoi une note? Putain si en maths je devais avoir une truc comme ça, je me taillerais les veines quoi. Oh putain! Oh ta mère!
Ah, je l'avais pas vu, j'ai fait merde, c'est con, il y a une ombre noire. Oh putain. Oh oui, je peux pas le voir, je suis con. Ah, cours, 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 cours. Faut que j'aille où? Quelqu'un sait où il faut que j'aille. Mais c'est personne m'écoute. Oh putain. Là, la vie de ta mère. Oh putain, non, oh putain. Oh là. Petit cochon, je suis putain fier, petit cochon. Ah non, tu l'es. Ah, c'est dégueu. Ah oui, filme ta vengeance. Putain, il vénère l'esprit. Oh, bim! Oh, il lui a refait sa mère. Oh, putain! Cet enfoiré qui nous a fait chier depuis le début du jeu. Ah, je suis bien content. Il y a un mec qui parle. C'est pas ouvert ça. Putain, y'a quelqu'un. Ça ne sert à rien. I know. I'm supposed to be dead. Fuck. Oh putain, le con. Oh le con. Ah cours putain. Ah shit. Ah la vache. En deux coups le mec. Il est rentré à l'intérieur de moi, il m'a désingué la voiture. Par où t'es chenille. Putain, apparemment quand j'ai fini mort c'est lui. Ah oui bah il est tout prêt. Est-ce qu'il peut nous suivre là-dedans? Techniquement, non, il peut pas nous suivre là-dedans. Putain, j'ai ma souris qui se bloque, ça me casse les blancs. Effectivement. Oh, c'est là où on devait passer tout à l'heure. C'était bloqué. Bon, bref, tout à l'heure. Dans la vidéo d'avant. Tu me laisses prendre le dossier? Merci, c'est bon. Putain, toujours c'est foutu caméra. Hein. Putain, c'est quoi de ce truc? What the fuck? Password. Wall Rider Project. Ça, c'est dégueu ça. Fermez la vanne du réservoir de fluide de maintien de vie de Billy. Il est en rogne, putain. Sauvegarde. Quand tu vois, quand tu rentres dans une pièce et que t'as le petit sauvegarde en bas à gauche, ça craint un peu. Putain, le labyrinthe quoi. Si on s'est coursé, ça a pas du gâteau. Un truc à choper par ici, non. Par contre, vous voyez, cette zone, ah, je sais pas, elle est pas aussi flippante que l'asile entre guillemets. Parce que l'asile, je sais pas, il y a une ambiance insalubre, dégueulasse. Une ambiance, je sais pas, morbide. Stock de pique complet. Like a boss. Je dis, j'ai fini le jeu full. Moi, je comprends pas pourquoi ils nous mettent plein de piles ici. Alors que on va techniquement pas les utiliser vu que ça a l'air d'être un groupe électrogène qui gère cette connerie. Ne tournez pas la vanne. Allez, oui. T'as vu ça plus vite, non, je connais. J'ai tenté de... Oh putain, les chiens. Pas ravi assez loin. On se brouille. De quoi il est pas activé, fuck.
faut que j'aille où? Putain, faut que j'aille où? Ah merde! Oh mais shit! Casse-toi! Putain, faut que j'aille où? C'est une blague, j'espère! Ça va, Billy? Ah oh, fuck! Shit! Eh bien, je suis mort. Mais il y a un Outlast 2 qui est en préparation. Pour 2016, je crois. On n'a pas du tout deviné un, mais en tout cas, on a eu un genre d'interview, un truc comme ça, où les studios Red Barrel disaient notre petit bébé se porte à merveille. Donc en gros, ils ont encore des idées, sauf que les mecs sont encore motivés. Mais oh shit! Oh shit! Si je me serais loupé, j'aurais eu l'air con. Mais en gros. Le gros script. Si j'ai tardé un peu à vous faire les Outlast, c'est que. Au début, j'avais commencé sur ma chaîne, comme vous le savez. Déjà, de une, ça marchait pas, parce que j'avais jamais lancé le PC. Enfin, un vieux PC totalement déchiqueté. Et de deux, c'est que j'avais. Étant démotivé par le PC en question pour vous faire le let's play. Déjà de nous c'est en let's play non en condensé donc c'est un peu chiant à réaliser. Et ayant fait une pause et je me suis dit bon je le reprendrai plus tard. Et j'avais entendu la sortie de Whistleblower et je me suis dit si je le refais Outlast et que je dois attendre pour Whistleblower ça va être un peu chiant. Pour déclencher vous pouvez très bien. Le mec il fait ses boutons arrachés quoi. Ok c'est bon. Ouh, ça va prendre du bout dans ça. Donc j'ai bien fait d'attendre comme ça. Je vous fais Outlast. Whistleblower suivra. Et Outlast 2 suivra peu de temps après. Ou peut-être que j'attendrai Outlast avant de faire Outlast 2. Qui est un DLC d'Outlast 2. Avant de vous faire Outlast. Mais bon ça m'étonnerait quoi les mecs. Ils poussent un peu trop fort leurs idées là. Ça va être vrai qu'ils nous sortent. Oh shit! Outlast 2, la DLC. Ah oh, fuck! Et je vais mourir, frère. Ah shit! Il a bouffé. Bon. J'ai pas assez fait pour le gars bouillot, c'est bon. Quoi? Ah oh, merde! Oh putain! Allez, qu'est-ce qui est casse-cou, c'est que ces parois là ils peuvent pas l'arrêter sans fin. Allez, oh chier. Allez, bim. Voilà. Oh shit. C'est pas censé se passer comme ça. Wow, comment je prends cher. Je vais jamais survivre. Ah, il rentre en moi carrément. Nouvel objectif sorti. Ah ouais, effectivement, on est bien à la fin du jeu. Il est bien mort, ouais. Oh, mec. Ah, je suis dans un de ces états, quoi. Ah, je morfle. Truc de dingue. Je sais pas quoi s'en sortir en vie, hein. Parce que putain, on aura fait ça pour rien, quoi. Ah, la musique de fond et tout. Super stylé. Oh fuck.
faut que j'aille où? Bon bah je vais finir avec 10 piles sur 10 balles les steaks. Ouais ça va, ça fait pas si bizarre que ça de l'avoir de le terminer. Il y a Whistleblower qui arrive juste après donc. Bon c'est pas si grave que ça, ça fait je me fais légèrement chier jusqu'à là-bas. Fuck. Ah le mec il me manque des doigts. Le fantôme vient de lui rentrer dedans, il vient de prendre possession de son corps quoi. Et il l'a fait valser de partout. Ah, le mec qui tient le coup quoi. Avec du mal mais il sait de tenir. Allez tiens le coup mec. Oh, il tiendra jamais le coup s'il doit tout remonter. Il tiendra jamais le coup. Bon, il y a... Je sais pas si on a tué le fantôme mais en tout cas. Il n'y a plus personne techniquement pour nous tuer. Par des psychopathes si je retourne dans l'asile mais. Qui m'étonnerait très fortement. Oh mec, quel coup. Ouais, mais si je sors, le fantôme il va être libéré en gros, si je comprends bien. Oh non, allez mec, quel coup, tu veux. Des psychopathes t'ont couru après, des fantômes t'ont couru après, et tout a couru. Oh oui. Non, non. Oh non. Ils sont pas sérieux. Holy shit, man. You have become the host. C'est clair. En gros, j'étais devenu... Billy était rentré en moi et là, Billy est sorti... Qui déchire tous. Ah, dégoûté que je puisse pas sortir. Ah, bah c'était bien ça. Ah, c'était bon comme le... Bon, les amis. J'espère que cette première partie du Let's Play d'Outlast vous aura plu. Là je viens de finir le jeu original à Outlast. Et ensuite je vais m'attaquer à Whistleblower. Il était bien long quand même. J'y ai allez, un peu plus de 2 heures de jeu. Pour un jeu à 15 balles, franchement ça vaut le coup. Il vaut... Enfin... Ouais ça vaut mieux d'acheter ça qu'un autre jeu quoi. Je citerai pas de nom. Bon, à part le fait d'être blasé quand on s'en est pas sorti vivant, j'espère que cette première partie du Let's Play vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, de vous retaper tout le Let's Play si vous avez envie, si vous avez aimé le jeu quoi. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur ma chaîne, à vous abonner, mettre un j'aime et un commentaire si vous avez l'envie. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.